D'accord, il y a le crash et tout, là, bah, bah, je... Et vous êtes la tribu.
tribu de cette île. La, okay. La quoi? On est une tribu. Alors, naufragé. Ah, d'accord. Oh, j'ai une idée. Julie, la bouteille d'eau sautée. Digne de Shakespeare. Avec ça, on va aller au César. Pour aller au César, il faudrait peut-être aborder de vrais sujets. Tu entends quoi par de vrais sujets? Genre les immigrés? Genre les attentats? Quoi? On va quand même pas parler de ça. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas d'accord? T'as les filles. Oh ben tiens. Vu qu'on est des filles, pourquoi on n'écrirait pas une pièce sur le féminisme? Ben, écoutez, le théâtre est là pour évoquer ce genre de sujet. Il est là pour amener le public à réfléchir sur le monde qui l'entoure. Le spectateur est alors invité à comprendre ou à se révolter, à réfléchir, à blâmer ou admirer. Le sujet peut être universel. Actuel. Ou le plus souvent, les deux. De toute façon, au théâtre, tout est possible. Tu es libre. Le théâtre est un lieu magique où des textes, des mots prennent vie grâce à la collaboration d'un auteur, d'un metteur en scène, des acteurs et d'un public. Il n'y a de liberté que dans le théâtre. Les auteurs écrivent ce qu'ils veulent, les acteurs disent comme bon leur semble et le public pense ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Bon, on en refait une dernière. Improvisation. Place de la Chapelle à Paris, au 18e arrondissement, des dizaines de migrants errent. J'étais contente quand ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé un moyen de fuir. Ils nous ont emmenés en voiture jusqu'à Hangar. Nous avons retrouvé plein d'autres personnes de différents places. Dans ce hangar, nous sommes restés 15 jours. Nous n'avions ni lumière, ni eau. Juste un petit pain par personne, par jour. Quand j'ai protesté pour avoir plus de nourriture, je me suis fait tabasser. Quand on a voulu entrer dans l'eau, on a distingué un bateau dans l'obscurité. On nous avait promis un chalutier, mais c'était en fait un pneumatique de 12 mètres sur 2. On a quand même décidé de monter à bord. Nous étions 95, serrés comme vous n'imaginez pas. Les passeurs, eux, s'étaient installés à l'aise, à l'avant, sur un bateau. Ils nous avaient juste donné... une bouteille d'eau par personne, parce que soi-disant le voyage ne durerait que 13 heures. Il a duré 3 jours. J'ai cette image en tête
une femme. On a mis longtemps à s'apercevoir qu'elle ne respirait plus. Puis, avec la chaleur, son corps s'est vite décomposé. C'est moi qui ai décidé de jeter le cadavre à l'eau. Des enfants regardaient. Mais on ne parlera pas.